Salut, salut! Bon, je sais que ça fait très 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 longtemps que je vous ai pas pris en face cam comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer d'être régulière sur mes vidéos YouTube. Ça s'est pas gagné parce que j'ai pas du tout d'idées en fait. Et ça, le problème, c'est que j'ai plus d'idées. Pourtant, il y a des tonnes de vidéos qui existent, mais j'ai pas du tout d'idées. C'est un truc de fou. Donc je vais essayer, je vais me forcer, je vais chercher des idées, etc. d'être régulière sur mes vidéos sur YouTube parce que je reçois énormément de messages où vous me dites « Mais Tisha, tu nous manques, t'es où, t'es passé où ?» etc. Donc je ne peux pas vous laisser comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui comme vidéo? Bon, vous avez dû voir dans le titre de toute façon, je sais même pas pourquoi je vous pose cette question. Mais aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes produits fétiches que je rachète assez régulièrement ou que j'ai acheté et que j'ai été agréablement surprise par la chose. Donc je vais vous parler de tous les produits pas chers, évidemment pas chers, que à portée de tous quoi, on va dire à portée de tous. Donc je vous en parle tout de suite en vidéo. Je vais faire magasin par magasin parce que c'est vrai qu'il y a un peu des choses un petit peu de partout. Donc si c'est mélangé, si je reviens sur un magasin dont j'avais déjà parlé, c'est pas grave, vous ne m'en veuillez pas. On va faire comme ça. Donc déjà, premièrement, la chose que j'ai acheté, l'article que j'ai acheté et qui m'a beaucoup 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 plu et du coup je suis repartie en acheter. J'ai pas tout là dans les mains parce que j'en ai dans mon sac. Ah, j'en ai dans mon sac. Bon, je vous montre et je vous en dis plus. Donc c'est tout simplement le maquillage déjà de chez Action. Vous savez qu'en ce moment chez Action, vous savez ou vous ne savez pas. Pour ceux qui me suivent sur TikTok le savent, j'achète beaucoup de make-up de chez eux et puis d'autres enseignes. Mais c'est vrai qu'en ce moment chez Action, je sais pas pourquoi, ils ont des pépites. Donc je vais vous parler déjà de la première chose que j'ai achetée et que j'ai beaucoup aimée. C'est tout simplement les crayons à lèvres de chez Action. Et alors, il y a le gloss et les rouges à lèvres. Alors, franchement, c'est un petit peu à peu près les mêmes teintes. Et je vais vous en essayer un d'ailleurs. Et franchement, c'est des pépites. Donc, j'ai pris en couleur, j'ai pris le muffin. J'ai pris le... Alors, celui qui est dans mon sac, c'est le shy. Parce que je sais, parce que j'ai le gloss ici. Donc, j'ai pris le muffin. Je ne sais pas si vous allez voir. Bon, de toute façon, muffin, ça s'écrit comme muffin. Ensuite, en couleur, j'ai pris ben, le shy. Shy, S-H-Y. Parce que je ne sais pas si vous allez du tout voir. Ensuite, en couleur, j'ai pris le rusty rose. Alors là, j'ai le rusty rose avec le rouge à lèvres, donc je vais vous mettre celui-ci. Et ouais, parce que là, muffin, j'ai pas ouvert le crayon encore. Donc, je vais vous tester le rusty rose en direct en vidéo avec vous et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai pris le petit miroir que j'ai eu en cadeau de la part de Dior. Voilà. Parce que vous allez me dire, tu fais de la pub à Dior? Non, je l'ai eu en cadeau. Puis c'est mon petit miroir dont je me sers tous les jours. Donc déjà, on va commencer par le contour des lèvres. Je m'approche un petit peu pour que vous voyez mieux. Je dépasse un petit peu évidemment. On le fait tout, hein. Commencez pas à me parler, vous, hein. Bon, en sachant que sur les lèvres, je n'avais rien du tout. C'est juste mon Candy Lips que j'ai toujours depuis 3-4 ans. J'en suis franchement hyper contente. Donc, regardez-moi cette pépite de rouge à lèvres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais colorier un petit peu plus vers l'intérieur. Et par-dessus, comment je vais faire? Parce que je voulais aussi vous montrer le gloss qui était magnifique. Donc ce que je vais faire, c'est que au-dessus, je vais vous mettre le rouge à lèvres assorti pour que vous puissiez voir la couleur. Je vois rien, je vois rien, je vois rien. Tisha, tu vois rien? Ah mince! Vous voyez,
Il est vraiment trop beau. Et est-ce que je le mets par-dessus ou pas? Je vais faire n'importe quoi. Mais tant pis, je vous le mets par-dessus. Je vais vous montrer la couleur que j'adore aussi, le shy. J'ai le crayon assorti, mais il est dans mon sac. Regardez. C'est une espèce, bon, je sais pas si ça va donner la même couleur du coup. C'est une espèce de marronné. Bon, mais c'est pas mal si on mélange les deux. Regardez, ils sont magnifiques. Magnifiques. Donc ça fait partie de mon premier coup de cœur que j'ai trouvé chez Action et que je rachèterai si évidemment ils continuent la collection. Donc ça fait partie de mes coups de cœur. Ensuite, chez Action, pareil. L'anti-cerne. Alors, pour l'instant, je ne vais pas vous dire que c'est un coup de cœur. Je ne l'ai pas encore essayé et je vais justement le tester avec vous parce que apparemment, cet anti-cerne, le Max & More, c'est une pépite aussi, il est hyper couvrant. Alors moi j'ai pris la tête, la tête. J'ai pris la teinte 104, la light sand, parce que ben, c'était la plus claire. Et vous avez une couleur un petit peu plus foncée pour les peaux un peu plus mates. Donc on va tester ensemble ce que ça donne. Bon, évidemment, je fais des grimaces, hein. Vous voyez, hein, je fais une petite grimace comme tout le monde. Et un petit blender, je vais tapoter. Bon, après il faut poudrer et tout ça, mais c'est juste manière d'essayer la couvrance. Bon, du coup je vais rester avec un œil blanc tout le long de la vidéo, je rêve. Mais c'est pas mal. Vous avez vu la couvrance? C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, je vois dans le retour. Et j'ai un miroir en face, c'est vraiment pas mal. Donc je peux rester comme ça tout le long de la vidéo, je suis désolée. Mais franchement, je valide. Je valide, je valide. Je valide. Franchement, je l'ai payé 1,79€, je crois. Et il est génial, du coup j'en ai pris deux, heureusement. Ensuite, alors attendez, par contre, les prix des crayons et des glosses et des rouges à lèvres, c'était 99 centimes. Donc franchement, 1 euro, 1 euro, tout à 1 euro. Franchement, que demande le peuple? Ensuite, ce que j'ai acheté chez Action, bon, tant que je vois les produits d'Action, je vais vous parler d'Action. Ce que j'ai acheté chez Action et que j'ai beaucoup, non, non, j'ai pas beaucoup aimé encore. Quoique si, je vais d'abord vous parler de ça. Ce que j'ai acheté chez Action, bon, celui-ci est neuf parce que j'en ai acheté deux. Du coup, c'est les shampoings solides. Voilà, les shampoings solides, notamment le bleu qui est à l'huile d'olive et qui sent super bon. Alors moi, je suis pas trop fana des shampoings logiquement secs. J'en ai essayé plusieurs et je trouve que ça me fait les cheveux un petit peu poisseux parce que moi qui ai les cheveux très fins, mes cheveux, vu qu'ils sont très fins en fait, comment dire, ils absorbent en fait toute la merde. C'est-à-dire que si le shampoing est gras, ils vont être gras. Si le shampoing est sec, ils vont être secs. Franchement, mes cheveux, c'est une abomination. Donc celui-ci, le shampoing, je vous ai dit shampoing sec ou shampoing solide? Parce que c'est un shampoing solide, hein? On est d'accord, c'est un shampoing solide. Donc celui-ci, franchement, le bleu, il est génial. Je crois qu'il coûte 1 euro et des poussières. C'est la troisième fois que j'en rachète. Même Shine, qui a les cheveux quand même d'une autre, un autre type de cheveux. Il a les cheveux bouclés, plus épais, etc. Mais franchement, il aime bien. En plus, il mousse. Il mousse! Les shampoings solides en général, j'ai acheté ceux de chez Lush, le pousse vite. Il était hyper efficace, il était pas mal. Bon, après, il coûte plus cher, mais il moussait pas trop. Et moi, j'aime pas. Moi, j'ai l'impression que quand ça mousse pas, alors apparemment, même si ça mousse pas, ça lave très très bien. J'ai l'impression que quand ça mousse pas, ça lave pas. Donc franchement, en plus il mousse super bien et j'en suis hyper satisfaite. En plus il est pour tout type de cheveux et il est vegan. Voilà. Testé dermatologiquement et vegan. Donc ça franchement, pareil, il est à 1 € et des poussières. Je sais plus si c'est 1 €. Je sais même pas si c'est 1,79 € ou un truc comme ça. Et il me dure assez longtemps, on va dire. Donc ensuite, le petit pot de vaseline. Pareil chez Action. Franchement, il est vraiment génial celui-là. C'est en pot comme ça. Moi je l'utilise avec une petite cuillère. Et alors ça, je l'utilise pour faire les slugging. Alors qu'est-ce que c'est les slugging? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors le slugging, c'est tout simplement
Le fait de mettre, d'étaler tous les soirs avant d'aller au lit, la vaseline en couche épaisse sur sa peau. Vous allez me dire, mais Tisha, t'es complètement tarée. Donc j'ai vu passer ça un petit peu partout. Et en fait, comparé à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas du tout comédogène. C'est-à-dire que ça ne va pas vous faire sortir les boutons. Et ça va... Contrairement, le lendemain matin quand vous vous levez, vous avez la peau hyper douce, hyper repulpée. Et franchement, c'est génial. Je crois que je l'ai payé 1 € et quelques aussi. Et franchement, c'est génial. Alors, c'est très très bien adapté. Bon, pour les peaux grasses, je pense que... on va oublier parce que je pense que ça va vous graisser un petit peu plus la peau. Mais pour les peaux sèches, anormales, c'est vraiment génial parce qu'il hydrate super bien. Enfin, ça hydrate super bien. Et puis voilà, donc testez. Vous prenez avec une petite cuillère ou un petit bâtonnet, vous étalez en couche épaisse, vous allez au lit comme ça, le lendemain matin vous vous rincez, vous vous lavez le visage évidemment, hein, vous n'allez pas rester comme ça. Et vous allez avoir votre peau toute douce. Et moi j'ai une peau mixte, j'ai pas du tout une peau grasse et franchement c'est vrai que c'est génial ce petit truc, c'est génial. Et ce n'est pas comédogène. Voilà, venez pas me dire dans les commentaires, mais tu vas attraper des boutons, tu vas pas laisser respirer ta peau. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les soirs, vous pouvez le faire si vous voulez une ou deux fois par semaine. Mais franchement, testez et dites-moi-en des nouvelles en commentaire. Attendez, je suis en train de lire quelque chose. Non, c'est tout. Ensuite, chez Action, est-ce qu'il y a d'autres petites choses de chez Action? Non, il n'y a plus de petites choses de chez Action. Donc on va passer au petit bon plan. Attendez, je cherche, voilà. Donc on va passer au petit bon plan. En fait, un petit bon plan, c'est des petits bons plans, on va dire, des dupes. Des dupes, c'est comme ça qu'on dit des dupes. Oui, c'est ça, des dupes. Donc moi, vous savez qu'il y a une espèce de petite pâte là qu'on met sur les imperfections tous les soirs avant d'aller. De la marque Mario Badescu qui coûte quand même, attendez, je vais vous dire ça... Il coûte 20 €. Bon, on va pas dire que c'est trop cher, voilà. Mais j'ai trouvé le petit dupe, qui franchement fait exactement la même chose pour 13 €. Donc 7 € c'est quand même pas négligeable, hein, on va dire. Et franchement, il fait exactement la même chose. Après, il y en a qui vont me dire, je préfère ajouter 7 € et prendre exactement la... Enfin, et prendre la marque. Mais franchement, moi j'ai testé celui-ci parce que en fait quand je suis allée chez Sephora le chercher, elle m'a dit non, on l'a pas, essayez le dupe. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, en fait, je sais pas si vous voyez, il y a une espèce de lotion en fait et au fond, c'est de la poudre. Donc ce qu'il faut faire, alors par contre, ce que je comprends pas, c'est que ben, plus je trempe le coton, mais moins s'il y a d'eau. Donc il va falloir que je me renseigne. À partir du moment où il n'y a plus la lotion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir que je me renseigne. Donc du coup il ne faut surtout pas le secouer. Là je l'ai un petit peu secoué parce qu'il s'est couché. Normalement l'eau là est censée être transparente. Donc il faut prendre un coton-tige, planter le coton-tige au fond dans la poudre, sortir le coton-tige et vous le mettre sur les imperfections et vous dormez avec. Moi je le garde toute la nuit. Bon, évidemment si vous enfouissez la tête dans le coussin, je ne sais plus comment on dit ça, ben évidemment que le lendemain matin, vous n'aurez plus rien sur la figure. Hein. Mais franchement, ça fonctionne pas mal. J'avais un petit bouton ici, là, qui commence à sortir, à bien gonfler. Je l'ai mis, le lendemain, il a mûri, je l'ai percé, il est parti. Enfin, il y a encore un tout petit peu, mais je veux dire, il ne s'est pas infecté, rien. Alors d'habitude, mes boutons, si je commence à les toucher, ils s'infectent. Donc vous mettez votre petit coton-tige, vous attrapez la poudre qu'il y a au fond et vous mettez sur le bouton. Surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est retremper votre coton-tige dans la lotion. Une fois que vous avez trempé votre coton-tige et que vous avez mis sur les boutons, vous retournez le coton-tige, vous prenez l'autre côté ou vous mettez à la poubelle. Mais surtout vous ne retrempez pas votre coton-tige parce que ben, toutes les impuretés que vous avez prises sur votre visage, vous les foutez à l'intérieur de la bouteille. Donc surtout ne pas faire ça et surtout ne pas la mélanger non plus. Ensuite, pour ce qui est des dupes, j'ai trouvé cette petite bouteille. Alors je dis que c'est un dupe, mais en fait c'est pas du tout un dupe. C'est juste que je reçois des messages très charmant.
Je dis que c'est un tube, mais en fait, peut-être pas. Parce qu'en fait, la bouteille, je sais pas si vous avez remarqué, elle ressemble à la bouteille. À quelle bouteille? Vous trouvez pas qu'elle ressemble à la bouteille d'Estée Lauder? Le sérum d'Estée Lauder? Bon, après, c'est pas du tout la même texture, etc. Mais la bouteille, c'est exactement la même. Donc, ça, c'est une huile d'argan spéciale nuit. C'est un sérum, en fait, réparation pour la nuit. Alors, il est comme ceci. Il est. Voilà. C'est blanc. Mais alors, l'odeur. Mais alors, l'odeur. Elle est à tomber. Donc, ça aussi, je le mets le soir avant d'aller au lit. Bon, pas quand je mets, évidemment, la. La. Ah, comment ça s'appelle? La vaseline. Mais franchement, ça, c'est génial. Ça répare super bien. Pareil, le lendemain matin, vous levez, vous êtes repulpé, etc. Et ça, je l'ai trouvé chez Noz et je l'ai payé 2,99€. Donc, franchement, je la trouve vraiment bien. Et j'ai l'impression que, voilà, que c'est vraiment le dupe de chez Estée Lauder. Enfin bon, vous me direz pour ceux qui connaissent. Mais j'ai l'impression. Et je l'ai acheté à Noz, je l'ai dit, non? Je sais plus. Ensuite, chez Noz, ce que j'ai acheté et ce que je rachète toujours, mais alors toujours, et j'en suis hyper satisfaite. Et à chaque fois que j'y retourne, je les cherche partout. Voilà, je suis dégoûtée, j'ai trouvé que les soins, j'ai pas trouvé le shampoing. C'est les fameux shampoings macadamia. Donc ces fameux shampoings-là, bon ça c'est le conditionnaire, c'est l'après-shampoing, je suis dégoûtée, mais je l'ai quand même pris parce que ben, il me reste du shampoing et quand je retrouverai le shampoing, je rachèterai le shampoing. Comme vous pouvez le voir, je l'ai acheté à Noz, je l'ai dit, je sais plus, 1,79€ et c'est les meilleurs shampoings que j'ai pu tester pour mes cheveux. Parce que franchement, moi qui ai les cheveux, comme je vous ai dit, hyper fins, ben, si le soin est trop gras, mes cheveux ils sont hyper gras au séchage. Donc franchement celui-là il me graisse pas du tout les cheveux et j'ai les cheveux doux mais doux et d'une brillance. Moi qui fais les décos franchement croyez-moi que si le shampoing je vous dis il est bien, c'est qu'il est bien. Voilà, je me suis pas. Là c'est vrai que j'ai les cheveux ils sont un petit peu bizarres parce que j'avais un rendez-vous hyper tôt ce matin à 8h, j'avais un IRM. Donc je me suis dit j'aurais pas le temps de me laver les cheveux sinon il va falloir que je me lave encore plus tôt. Donc j'ai mis le shampoing sec Baptiste que j'achète aussi chez Action qui est beaucoup moins cher qu'à Leclerc et en grande surface. Et en fait du coup ça me fait les cheveux un peu poisseux. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire que vous dites pas ah mais c'est pas vrai, ils sont pas très brillants tes cheveux. Non, là ils brillent pas du tout parce que vraiment j'ai mis le shampoing sec. Ça me fait les cheveux, vous savez, avec la poudre là. Donc j'ai pris le shampoing et j'ai pris le masque. Regardez le gros pot, 1,99€. Franchement, 1,99€. Que demande le peuple? Et il est. Il sent bon, mais il sent bon. Regardez, il est comme ceci. Bon, je l'ai pas encore commencé, mais je le rachète tout le temps. Ah, ça sent bon. Et franchement, c'est vraiment des super produits. Ben, je l'ai fait acheter à ma soeur, qui a les cheveux hyper épais, Cindy, qui a les cheveux hyper épais, hyper rêches et tout ça. Et franchement, elle m'a appelé le soir. Je lui ai dit, vas-y, prends-le, prends-le, c'est vraiment bien et tout. Elle m'a appelé le soir, elle m'a dit, putain, le shampoing, le masque, il est trop bien, j'ai les cheveux tout doux. Donc franchement, c'est des super produits que je rachète très souvent chez Noz quand je les trouve. Donc voilà. Ensuite, encore deux petites choses et j'ai déjà terminé. Oh, ça fait quand même. Ça fait quand même 20 minutes que je parle, dites donc un petit peu quand même, non? Donc un truc que j'ai acheté aussi. Alors, vous savez que pour les cheveux, pour les sourcils, les cils, etc., ce qui fonctionne apparemment très très bien, c'est l'huile de ricin. Moi, je ne la supporte pas. Je me disais tout le temps, je supporte pas l'huile de ricin, c'est trop épais, etc. Et en fait, j'ai beaucoup entendu parler de l'huile de ricin, mais la noire. Donc, l'huile de ricin noire, en fait, c'est de l'huile de castor noire, l'huile de carapate. Et en fait, c'est une huile hyper reconnue pour protéger les cheveux. Elle protège les cheveux, mais normalement, elle est hyper recommandée pour les cheveux crépus, frisés ou qui sont défrisés, etc. Et extrêmement sec. Et en fait, ça, vous le mettez la veille du shampoing. Vous le mettez la nuit, parce que je lis en même temps, parce que c'est marqué. En fait, ça vous protège les cheveux la nuit. Et le lendemain, en fait, quand vous les lavez, elle s'en va hyper facilement. Et alors moi, je l'utilise surtout pour faire pousser les cheveux. Donc quand je sais que le lendemain, je vais me faire un shampoing, une fois par semaine, je me fais ça. Quand le lendemain, je sais que je vais faire un shampoing, ben, le soir, avant de me coucher, je me mets de l'huile de ricin noire, 100% pure. Je l'ai achetée en parapharmacie Leclerc. Je crois que je l'ai acheté 10 euros, 10 ou 11 euros. Et franchement, vous en avez pour un moment parce que ben, j'ai utilisé quand même 4 ou 5 fois. Et regardez, j'en mets vraiment pas beaucoup parce qu'elle est hyper épaisse. Et voilà, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, à part si vous voulez en mettre partout. Mais moi, j'en mets surtout sur mes racines pour faire pousser les cheveux. Et c'est vrai que j'ai remarqué,
mes cheveux avaient poussé quand même assez vite la dernière fois que j'ai fait. Bon, là, j'ai fait mes racines, comme vous avez pu le constater. C'est vrai que la dernière fois, j'ai remarqué que j'avais les cheveux qui avaient poussé hyper vite. Donc, est-ce que c'est ça qui est attribué? Je pense, parce que j'en ai entendu que du bien. Et puis voilà. Donc, à tester aussi, si vous voulez tester. Bon, si vous avez les cheveux frisés, crépus, défrisés, abîmés, secs, testez là aussi. Vous allez voir, le lendemain, vous allez avoir les cheveux hyper doux après le lavage. Dernière chose que j'ai acheté et je rachèterai, je dois avoir encore plein de choses que je pourrais vous parler, mais il faudrait que je fasse un petit tri, que je les mette de côté, comme ça je vous en parle. Dites-moi si vous avez aimé ce genre de vidéo, comme ça je vous parle de petits bons plans que j'aime à petit prix. Dites-moi tout ça. N'hésitez pas à partager la vidéo, parce que c'est vrai que sur YouTube en ce moment je me perds. Je fais plus de vidéos parce qu'en fait j'ai pas trop l'envie, j'ai l'impression de pas avoir énormément de retours. Ben, ça m'en motive pas en fait. Je suis pas du tout motivée. De si je reçois des messages, qu'est-ce que tu fais, reviens sur YouTube, t'es ma youtubeuse préférée, etc. Et c'est vrai que je suis un petit peu dégoûtée, mais ça je vous le dis tout le temps, je suis un petit peu dégoûtée de tous les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que j'ai l'impression d'ennuyer les gens en fait. J'ai l'impression d'ennuyer les gens. Donc du coup je me dis, ben, si je fais rien, ben, comme ça je les ennuierai pas. Mais dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, comme ça je me mettrai, dès que j'achèterai des petites choses et tout ça, je vous mettrai de côté et je vous en reparlerai. Et puis donnez-moi aussi des idées de vidéos s'il vous plaît. Donnez-moi des idées de vidéos avec moi toute seule, moi et Tyssen. Bon, Shine, oubliez-le, hein, c'est voilà, vous savez très bien que depuis quelques temps il ne veut plus faire de vidéos. Mais s'il vous plaît, donnez-moi des idées de vidéos, parce que je suis à court d'idées. J'ai l'impression que mon cerveau il s'est arrêté. Après c'est que j'ai pas trop l'envie non plus, donc mais il faut que je m'y remette. Il faut vraiment que je m'y remette, parce que là j'aime bien en plus. J'aime bien vous parler, j'ai l'impression de parler à mes copines. C'est ouais. Bon, mon dernier truc du coup que j'achète et que je rachèterai, parce que franchement c'est une tuerie. D'ailleurs à chaque fois j'y vais il n'y en a plus. À Ziman, je crois que c'est 1,99€. C'est un spray en fait, c'est un spray, vous savez, un désodorisant d'intérieur, un spray d'intérieur. Mais quand j'ai senti l'odeur, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut que j'aille faire le stock, parce que je sens que quand je fais les vidéos, moi à chaque fois, j'ai chié quoi, il n'y a plus rien après. Oh là 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 là. Oh, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Ah non mais, attendez. Mon canapé en tissu. Oh là là. Oh, ça sent le bébé. Moi, j'adore l'odeur du bébé. Quand Shaïn et Tyssen étaient petits, je les lavais toute la journée avec le Mustela, le Chlorane, le Mixa bébé. Ils étaient tout le temps, ils sentaient le bébé. Il fallait que quand je les embrasse, ils sentent le bébé. Et j'adore, j'adore. D'ailleurs, je me suis acheté le Mixa bébé là, tout à l'heure, parce que j'adore, même moi j'aime sentir le bébé, parce que là je suis en train de tester un produit, je vous en parlerai si vous voulez que je vous en parle. C'est un produit, apparemment c'est super pas cher et c'est pour bronzer naturellement, donc je vous en parlerai si vous voulez. Dites moi aussi en commentaire, je vous demande plein de choses aujourd'hui. Ça sent, j'aime trop, je suis fanatique de ce produit, je suis fanatique de ce produit. Ils ont d'autres senteurs mais ils sentent pas aussi bon, franchement je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Donc voilà. Bon, mais je pense que j'ai fait tout, hein. C'est tout. Il n'y avait rien d'autre, non? Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, donc c'est des petits bons plans que j'ai voulu faire partager avec vous. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Je ne vais pas m'élargir plus et faire durer la vidéo trop longtemps. Dites-moi du coup, répondez en commentaire à toutes les questions que je vous ai posées. Voilà, 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 voilà. Je vais vous laisser parce que sinon, j'ai plus rien à dire, je vous ai tout dit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je ne touche pas trop les lèvres parce que j'ai du rouge à lèvres.